Salut tout le monde, ici HGR38. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront. Et je vais vous faire une petite vidéo de présentation sur ce jeu. Donc là on a le menu principal du jeu. Donc on a ce qu'on a réussi à déverrouiller, nos statistiques et les settings du jeu. Donc ce que j'ai trouvé bizarre pour les settings, c'est que dans les contrôles, ils trouvent la manette en premier. Ce jeu a l'air d'être conçu pour jouer manette et non clavier-souris. Bon bah moi je suis en clavier-souris. Et donc là après on a pour les commandes, pour ceux qui vont l'acheter suite à la bêta. Ensuite là on a un mode mission. Donc il n'y a qu'une mission, donc le survival avec des vagues régulières qui est disponible pour le moment. Donc par exemple, donc là on a qu'une map aussi de disponible, donc Tatooine. Donc là on a les times de vos amis en solo et en coopératif. Donc là on peut choisir la difficulté. On peut choisir la difficulté, soit lui dire qu'on est à deux, soit en single player. Moi je vais revenir, c'est pas trop ça qui m'intéresse dans le jeu. Et après on a un mode multiplayer. Donc là c'est vraiment ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc il y a le Walker Assault. Donc là on est à 40 joueurs sur la map. Donc c'est une très très grande map, hein. Vraiment immense, avec des grosses machines, 20 joueurs contre 20 joueurs. Et il faut aller attaquer une position ennemie et l'autre camp doit défendre la position. Donc plusieurs petits points à atteindre dans la game. Donc c'est vraiment un sacré truc, hein. Super sympa à jouer. Et ensuite on a le drop zone. Donc c'est un point qui va apparaître sur la map. On l'attaque ou on le défend. Tout dépend si on a un joueur à nous qui veut le caper. Donc là moi je vais vous montrer plutôt ce petit mode de jeu là. Donc après on trouve une game très très rapidement, hein. Vous voyez là je viens de cliquer et paf ça démarre. Donc c'est très rapide. Donc là on voit, hein, la map est relativement assez pas ouverte, hein. C'est, faut vraiment monter sur l'auteur pour avoir une sacrée vue, hein, sur plein de rochers partout, enfin c'est pas évident à jouer. Et les graphismes sont super bien faits par contre. Alors donc après on a nos atouts, c'est un peu comme des atouts, hein, des cartes, hein, qu'on peut choisir et on en a trois qu'on a. Donc moi j'ai déverrouillé vraiment que le sniper et la grenade. Ensuite on a notre personnage avec nos armes. Donc là moi je vais prendre la première que j'ai déverrouillée, hein, tout simplement. Donc là je vais m'équiper de celle-ci. Là l'autre c'est plus un petit short de minigun. Et on va rejoindre la game. Là on va zapper ça. Et voilà. Donc là voilà, on est dans la game. Nous on est les rebelles. Donc là comme vous voyez, hein, qualité graphisme sont super bien faits. Et nous là on doit aller défendre le premier point. Donc là on a des sables mouvements, hein. Si vous tombez dedans bah vous mourrez. Après donc le viseur ça ressemble un petit peu à CSGO, hein. On a toujours un viseur et on a une lunette. On a une lunette. Donc je suis pas très fan du mode de visée qu'on a là. Là, on va aller sur le point. Pour... Ah, il y en a un là. Voilà, donc là on est arrivé sur le point où on est. Et là, il va falloir qu'on le défende. Nouveau point. On bouge direct sur le point. Évidemment, je me fais tuer. Donc je suis pas terrible là sur ce jeu. Hein. J'ai pas eu trop le temps de m'entraîner. J'en suis désolé. Mais le but, c'est vraiment que je fasse une petite présentation pour ceux qui voudraient l'acheter. Là voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu le sniper, ce qu'il vaut aussi. Hein. Il one shot. Le seul problème c'est que pour recharger après il faut attendre que ça recharge. Putain, je me fais attaquer évidemment. Je vais essayer d'aller prendre par revers, il est là. Putain. Ouais c'est bon, il est mort. Mais il m'a fini. Donc alors après on a les grenades, le sniper
Et la troisième qu'on peut avoir aussi, c'est un bouclier. Donc l'avantage du bouclier, c'est que ça nous protège vraiment. Mais on peut pas tirer. Donc là, moi, je l'ai pas déverrouillé. J'ai eu l'occasion de le tester. Là, j'ai de la charge, j'ai de bons alliés. Ah, y'en a un qui est là. Je vais lui mettre une grenade à ce bâtard. Tiens, prends ça. Allez, hop, tiens, hop. Ça, c'est fait pour toi. Je maîtrise pas du tout Star Wars. J'ai même pas vu tous les films en plus. Donc pour vous dire que à quel point c'est ironique que je joue à ce jeu alors que je connais pas du tout. Donc, pour moi la bêta elle est vraiment bien faite. Il y en a un qui est là. Le problème c'est qu'ils sont deux. Putain, je vais sortir le sniper et je vais vous montrer un peu le sniper ce qu'il vaut. Voilà, donc là il recharge le sniper. Je lui ai un peu loupé sa tête. Voilà, je l'ai eu. Voilà, donc comme je vous disais, on peut monter très facilement sur des hauteurs et avoir une bonne vue assez dégagée de la map. Ça, vous voyez, il y en a un qui est là. Je peux limite. Voilà, hop, ça c'est fait. Et je me suis mis. Voilà, hop. Donc on a, voilà, on est vraiment sur une vue très dégagée. Donc là, je vais redescendre un peu pour aller défendre le point. Donc on peut tirer aussi sans la lunette. Donc il y a un peu à la mode CSGO quoi. Donc là, on a un nouveau point qui va arriver. Non, faut le défendre. Oui, il y a un nouveau point qui va arriver, c'est pas ce que je disais. Et on va aller le caper de suite. Donc il y a des jetpacks. Il y a pas mal de choses hein, dans ce jeu. Voilà, il y en a un qui est là. Voilà, bâtard. Je l'ai pas one shot. Donc là, vous voyez, le temps de rechargement du sniper est là. Donc c'est un petit peu l'inconvénient de ce jeu. Hein. On peut pas vraiment jouer sniper, full sniper. Donc là, je vais vous montrer ce que ça fait quand on descend dans les sables mouvants, vous voyez. Hop, on perd de la vie, donc faut ressortir assez rapidement. Sinon, voilà. Donc il faut faire attention à ne pas y aller. Donc là, le point il est là-bas. Il y a un mec qui est là, encore. Hop. Voilà, donc là j'ai un power up, c'est assez sympa celui-là, donc là j'ai monté sur une hauteur. Donc là je vais essayer de monter sur... Voilà, on a le point à défendre ici. Donc là moi je vais essayer d'aller me mettre ici là, sur le rocher. Et je vais sortir... Ah, je peux pas la sortir ici. C'est pas grave, je vais la mettre ici. Et là voilà, j'ai une tourelle. Et là bah on va les attendre sagement. Hein. On a encore 4 minutes pour défendre le point. Ah. Malheureusement, je pouvais pas défendre par l'arrière non plus. Je défendais vraiment le point. C'était pas une superbe position que j'avais prise aussi. Ah. Vous voyez, c'est relativement... Je me suis pas du tout entraîné, quoi. Je suis level 3. Voilà, je me fais carrément défoncer en... sur le net, sur YouTube. Hein. Donc, mais vraiment, le but, c'était vraiment de présenter le jeu, les phases du jeu. Donc, capture un peu de points, défense de points. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un pote, il a une tourelle aussi. Il a pris une bonne position. On a de superbes graphismes et on a gagné la game. Donc là voilà, un peu caca, un set. Donc on se retrouve tout de suite après pour
le deuxième match. Je vais vous montrer l'autre game en multiplayer tout de suite. Donc je pense que celui-ci va plus vous plaire que la première map. Donc là, il y a toujours ça. Bien sûr, c'est une bêta, c'est la fin de la bêta, donc c'est la fin de la game. Comment on a ça? C'est pas terrible pour ça. Donc là, on va quitter. On a Dark Vador. Je suis ton père. Je suis ton père. Oui, je sais, c'est bon, j'ai compris. Enfin, bon là, je vais vous montrer l'autre. Le Walker Assault. Donc là, voilà, comme vous pouvez le voir, 20 contre 20. Tous les vaisseaux qu'il va y avoir, donc là ça va envoyer un peu plus de steak. Et celle-ci, je pense qu'elle va vraiment plus vous plaire. Là on est vraiment sur une grande map, vraiment très ouverte, il y a de la neige partout. Donc là, je vous lis pas la description, hein. Je vous laisse lire. Vous êtes grand. Donc là voilà, tout est en anglais. Donc là toujours le même principe, on a toujours nos armes, toujours nos cartes. Là, je peux même acheter une nouvelle grenade que je vais acheter et que je vais équiper tout de suite. Voilà, hop. Voilà, j'ai une nouvelle grenade. Donc là, hop, j'ai un nouveau perso. Je sais pas si c'est... Voilà. Je vais pas m'équiper de cette arme là. Je vais m'équiper de celle-ci. Toujours la même arme. Ok. Et là, on est parti dans la game. Et voilà, donc là vous voyez, grande map, et là des robots de partout. Et voilà, là on est parti, donc là, le but c'est de couper leur ligne ennemie. Donc là nous on a déjà deux robots, ils en ont qu'un. Déjà, pas terrible pour eux. On va me faire défoncer, ça va mettre à couvert. Voilà, je vais utiliser la bulle de protection de mon pote justement qui est ici. Mais on peut pas tirer, comme vous pouvez le voir, on peut pas tirer dans la bulle. Donc c'est un peu l'inconvénient de cette bulle. Voilà, je l'ai eu. Attends, mon tour. Voilà, hop. Donc là, on peut le voir, hein, c'est une grande map, il y a du monde partout. Ça tire de partout. Et voilà, j'ai pris... un coup de sniper. Là on est reparti tout de suite, hein. Ça repart direct, on réfléchit pas, on rentre dans le tas et en avant. Donc là on a les robots, enfin il y a un peu de tout, hein. Donc là on défend, il nous attaque, on défend. Donc en fait le but du jeu c'est de garder ces petits trucs là hors ligne. Ah faut pas qu'il... Voilà, là ça tire de partout, tiens il y en a qui est là. Voilà, donc faut se mettre à couvert. Donc là on les repousse, hein. Ils n'arrivent pas à nous avoir. Voilà, hop. Attention, ça va arriver. Ça va pleuvoir. Donc là ils nous ont même activé un, donc il faut aller les stopper avant qu'ils aient vraiment activé leur truc. On va essayer d'y aller. Donc, en plus j'ai une charge en power up. Attention. Ah putain. Il y en avait un qui défendait, que je n'ai pas vu, malheureusement. Là, je pense qu'ils vont nous caper le premier. Donc là, vous voyez, ça tient vraiment de partout. Là, ils ont posé la bombe, donc il faut essayer d'aller protéger le point. Là, je sais pas du tout d'où ça venait. Ah ouais, voilà. Je le voyais pas du tout. Vous voyez, c'est très très articulé, hein. C'est des très grandes maps, ça vient de partout. Ah c'est bon, ils ont réussi à l'éteindre.
Là, tout l'intérêt de se mettre vraiment à couvert, genre derrière le rocher par exemple, quoi. C'est pas grave, on est parti. Le but, c'est vraiment que je vous montre vraiment la... ce qui vaut le jeu. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous l'achèterez. Moi, je pense l'acheter, donc s'il y en a qui voudront jouer avec moi, hein, bien sûr, je serai un peu meilleur quand même. Je viens de l'avoir, le jeu, donc... Il n'y a pas un qui est là, là. Donc, bien sûr, je viens de l'avoir, comme je disais. Donc, c'est pas... Voilà, j'ai pas du tout d'entraînement. Voilà, je sais pas, tu vas prendre la tourelle là, puis moi je vais le protéger un peu. Quand on a Dark Vador aussi là avec nous. Voilà, des vaisseaux et ça pleut des missiles. Voilà, les gros robots là. Voilà, tiens, en voilà un. Ah, je vais aller aider mon pote. Donc là, celui qui a été activé, il est dans une sorte de hangar. Ça, on va passer par les petits couloirs. C'est possible, là. On ne prenne pas derrière. Là, on a activé. On a activé le truc. Moi, je suis en train de me faire défoncer, mais royalement, là. Par le gros petit monstre. Ah, voilà. Comme je vous disais, je connais pas du tout les noms. Vous voyez, on les voit pas du tout, hein, les mecs. Ils arrivent par derrière, c'est immense. Grande bataille épique, quoi, carrément, hein, c'est de la grande bataille. Et voilà, Anakin évidemment, avec son sabre laser là. C'est pas grave, nous on a Dark Vador, il est plus puissant. Et ouais. Là, il faut rentrer dans le bâtiment, là, il faut, prendre d'assaut le bâtiment, passer par les couloirs, limite par derrière, hein. Il faut passer. Parce que là, sinon, voilà, il y en a, il prospère. Là, on va essayer de rentrer par là, là. Enfin, si on arrive à rentrer, parce que là, ils défendent vachement bien la porte, ils sont... 5 ou 6 ça respawn ici, donc il faut vraiment qu'on les sorte d'ici. J'espère qu'il vraiment qu'il vous plaît ce jeu. Mais vu le prix du jeu, il en vaut vraiment bien la peine. Après on n'a pas accès vraiment à tout encore, c'est la bêta. Pour un jeu à 60€, je trouve qu'il en vaut vraiment la peine. Ce que je vais faire, je vais essayer d'aller me foutre par là, là. Je chope pas là. Ah, peut-être une petite charge là, les gars. Vous voyez, hein, c'est pas évident de tuer avec ce viseur. Là, concrètement, voilà, je suis en bas, je fais du 2-10, concrètement. C'est la galère. Je viens de l'avoir, je suis level 2 ou 3. Voilà. Je suis en face de joueurs sûrement qui sont level je sais pas combien. J'ai pas eu du tout le temps de jouer. J'ai pas du tout le temps de jouer, donc en plus j'ai pas souhaité que c'est barré. Allez, on va arrêter là.
Et voilà. Donc là, on doit défendre maintenant. On doit défendre ici. Et ici. Les deux sortes de gros dinosaures, là. Je sais pas ce que c'est. Voilà, il y en a un qui est là. Voilà. Donc là, faut vraiment qu'on le protège. Vous pouvez le voir, il y a du monde qui arrive. Hein. Donc là, nouvelle mission encore. On doit les garder hors ligne. Je vais essayer de prendre la petite tourelle là, ici. Hop. Voilà. On va essayer de voir s'il y a du monde un peu. Vous voyez, ça tire de très très loin. Avec le viseur. Hein. Ça va de très très loin et voilà, là il vole avec le jetpack en plus, moi j'ai pas de jetpack. Voilà, ça tire vraiment de partout, de chez partout. Hein. J'essaie de finir au sniper celui-là. Ah bien là. Putain, on a les tranchées pour se protéger. Des hangars, des rochers, enfin il y a vraiment de tout. Ouais, je l'ai eu et je l'ai pas fini. Je suis pas mort. Ah là là, j'ai des lunettes. Super sympa. Qui me permettent de voir ce qui se passe au moins. Voilà, ça pleut vraiment de partout. Ah là, j'ai même mes roquettes. Alors là, on va se laisser faire plaisir avec la roquette. Si on peut. Il y en a, ils sont dans les vaisseaux hein, aussi, hein, bien sûr. Hein. Ah putain, pas le temps de le tirer. Pas assez rapide. Bon allez, il y en a, je vais essayer de lui mettre une petite roquette dans le nez, là, histoire de vous montrer ce qu'elle vaut. Voilà, regardez. Hop. Voilà. Et puis ça pète bien, hein, cette petite roquette. Un peu loin. Là, on a toujours les grenades aussi, hein, je vais vous montrer. Allez, allez, putain, mais crève! Là, je galère vraiment un peu à les tuer, hein. Là, de toute façon, hein. Il faut qu'on protège toujours ces gros trucs contre les vaisseaux. Voilà, défendre de Walker. Il faut qu'on les défende, ils sont tous dans les vaisseaux là. Voilà, donc là j'ai un pote, il va prendre la tourelle ici. Allez! Voilà, j'en ai eu un. Ils sont morts. Là, voilà, faut vraiment se mettre à couvert et bah, les tuer quoi. Faut, y a pas à chier là, faut y aller. C'est d'avancer un peu là parce qu'ils avancent, donc assez déçus. Faut les protéger. Et voilà, c'est la fin de la game. On a éliminé tous leurs petits vaisseaux. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette petite démo vous a plu. Bah malheureusement ouais, je suis en bas de la colonne, hein, j'ai pas eu le temps de m'entraîner.
J'ai pas eu tout le temps de m'entraîner, donc je suis vraiment désolé pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.